Avez-vous songé un seul instant pouvoir m'impressionner en vous appropriant des idées venues tout droit de vos dernières lectures? Eh bien, c'est une grave erreur. J'ai déjà étudié l'œuvre d'Aristote, mesdemoiselles, et une nouvelle interprétation plus que médiocre de ses idées ne m'intéresse absolument pas. Gardez ça pour votre professeur de philosophie, il sera sûrement impressionné. Surtout, retenez bien ceci, mesdemoiselles. Ce sont vos idées qui m'intéressent et non celles d'hommes morts depuis des centaines d'années. Nous sommes à l'aube d'un nouveau siècle. Écrivez-moi vos expériences. Même si ce que vous avez à dire vous semble beaucoup moins élogieux. Miss Keller a, semble-t-il, parfaitement compris le but de mon enseignement. Ah, voici sa copie. Miss Keller écrit « Je trouve qu'il y a certains inconvénients à aller au collège. » Bien, excellent. Il est excellent d'utiliser le mot « je » dans l'introduction. L'inconvénient majeur pour moi est le manque de temps. J'ai toujours eu du temps pour penser, pour communiquer mes propres réflexions. Depuis que je suis au collège, le temps me manque pour échanger des idées avec les autres. Mon opinion est que nous allons au collège pour apprendre et non pas pour penser. Excellent. Il s'appelle William Alexander. Il est éditeur dans un journal de femmes, un magazine. Quel est le but de sa visite, Dr. Copland? Eh bien, les rédactions d'Hélène sont toutes tellement... sont d'un style tellement éclairé que je... Ah, il est arrivé, le voilà. Monsieur William Alexander, Miss Hélène Keller et Miss Annie Sullivan. Comment a-t-elle su que j'étais là? Je le lui ai dit, Monsieur Alexander, en me servant de mes doigts. Pourriez-vous dire à Miss Keller, je vous prie, que j'ai eu la grande chance de pouvoir lire plusieurs de ses rédactions où elle parlait de sa vie? Et de quel droit, Monsieur Alexander? Et je les ai trouvées fascinantes. Absolument fascinantes. Nos lectrices seront du même avis. Docteur Copland, ces écrits étaient uniquement destinés à votre cours. Miss Keller a un message très important à communiquer à chacun d'entre nous. Son triomphe contre l'adversité, son optimisme en dépit de sa cécité et de sa surdité. Et notre journal propose à Miss Keller d'écrire l'histoire de sa vie sous forme de plusieurs articles. Oh, elle a déjà énormément de devoirs à faire. Vous savez ce que le fait d'ajouter un nouveau fardeau à un emploi du temps déjà surchargé aurait pour conséquence? Combien êtes-vous prêt à payer, Monsieur Alexander? 3000 livres. Pour l'ensemble. Je trouverai le temps. Peux-tu m'expliquer comment tu vas faire pour écrire ces articles et assumer ton travail scolaire? Vous m'aiderez, institutrice. Tu devras travailler beaucoup plus et prendre sur ton temps de sommeil. En es-tu bien consciente? Et sans nous demander notre accord... Lorsque la mère d'Hélène m'a demandé de surveiller ses filles, financièrement, bien entendu, car on sait tous que les femmes n'ont aucune limite quand il s'agit d'argent, et de m'occuper d'elles pendant leur séjour à Boston, elle a également parlé des actions investies dans le sucre que Spalding a offert à Hélène quand elle était enfant. Aujourd'hui, grâce à la hausse du marché, elles ont augmenté d'au moins 3 fois leur valeur. Hélène va bientôt se faire publier dans le Ladies Home Journal. Toute une série d'articles, et Hélène a donné son accord. On a besoin d'argent. Mais le travail à réaliser me semble impossible, même si... Il faut que quelqu'un vous aide un peu. Quelqu'un comme John? C'est une merveilleuse idée, chérie. Cet homme s'appelle John Messi. Il est licencié Phi Beta Kappa. Il vient d'Harvard. Et il enseigne à Radcliffe. Il est intelligent. Et très amusant. Et c'est un merveilleux écrivain. Qu'en dites-vous, Annie? Le problème est résolu. Il s'occupera du matériel d'Hélène. C'est un excellent auteur et... Et il est vraiment très, très mignon. Et son âme, Lénore? Son âme? Ça, c'est à vous de la découvrir. Là-bas, sur la pelouse, mon jeune amour est allongé, assoupi dans l'ombre d'un fourré. Ses genoux et ses tresses emmêlées, ondulant et frémissant doucement.
Aurais-je le courage d'aller la prendre dans mes bras, d'embrasser ses lèvres entrouvertes et d'entourer sa taille si fine? Si elle se réveillait en sursaut, elle ne pourrait que m'embrasser. Et je sais qu'à tout jamais, elle resterait sur mon cœur. Il est grand et très bien de sa personne. Son nez est un peu fort, mais il a un menton volontaire. Ses cheveux sont bruns et il les coiffe vers l'arrière. Il se déplace dans sa classe avec une autorité certaine. C'est un très très bel homme. Monsieur John Messi, je vous présente Hélène. Bonjour. Vous savez qu'elle est sourde, monsieur Messi. Bien sûr. Simple réflexe. Elle va vous toucher. Bonjour, monsieur Messi. Mais comment dois-je faire pour lui répondre? Je ne suis pas certaine qu'il convienne, très cher. Trop d'hésitation. Et trop curieux, il pose sans arrêt des questions. Je voudrais le voir. Approchez, monsieur Messi. Nous lisons sur les visages et dans la paume des mains. Nous sommes des diseuses de bonne aventure. Des magiciennes. Attention à ce que nous allons découvrir, monsieur Messi. Il est talentueux. Merci. Je vous en prie. C'est incroyable. Il a du talent, il le sait. Elle est brillante. Il est gentil. Est-ce que cela compte? Seulement si vous êtes vraiment prêt à travailler comme un diable pour une véritable misère. Ah, bonjour. Bonjour. Voici les épisodes à fournir au journal pour un mois. Ils sont en braille. Hélas, monsieur Messi ne lit pas le braille. Peut-être que c'est un vrai problème. Je vais apprendre le braille. Cela vous convient? Demandez-lui. Comment? Ceci est un A. Voici un B. Et ceci représente la forme d'un C. C'est ainsi que vous communiquez? C'est exact. Et c'est ainsi qu'elle écoute ses professeurs et qu'elle lit les livres qui ne sont pas en braille. Vous faites tout ça pour elle? Et plus encore. Comment faites-vous? C'est la force de l'amour, monsieur Messi. Apprend très vite. C'est avec une sorte de crainte que je commence à écrire l'histoire de ma vie. J'éprouve une hésitation superstitieuse à soulever le voile qui enveloppe mon enfance comme un brouillard doré. Le jour le plus important dont je me souvienne de toute ma vie est celui où mon institutrice Anne Mansfield Sullivan a commencé à s'occuper de moi. C'était le 3 mars 1887, trois mois avant mon 7e anniversaire. De l'eau. Mon institutrice avait placé ma main sous le jet. Et pendant que l'eau coulait, elle épelait le mot O dans mon autre main. C'est un E, un A et un U. Soudain, il me vint un souvenir imprécis, comme de quelque chose depuis longtemps oublié. Et d'un seul coup, le mystère du langage me fut révélé. Thank you.
les lettres E, A et U désignaient ce quelque chose de frais qui coulait sur ma main. Oui. Ce mot avait une vie. Il faisait la lumière dans mon esprit, qu'il libérait en l'emplissant de joie et d'espoir. Est-ce que cela convient? Je trouve ça orgueilleux. Est-ce que cela convient? C'est excellent. D'honnêteté et de vérité. Vos mots chantent. Merci. Institutrice. Je suis d'accord, c'est très bien, Hélène. Clair et bien écrit. Vous êtes fière? Oui. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est la conclusion. Au travail. En attendant, ce que j'aimerais, c'est qu'institutrice me prépare à manger. Nous avons très bien travaillé. Je suis affamé. J'ai trouvé votre geste vraiment déplacé. Le baiser sur sa main? Bien entendu. Un geste d'amitié, une simple marque d'estime. Qu'elle aurait pu mal interpréter. Pas elle, j'en suis certain. Elle a certainement compris le sens de mon geste. Ne soyez pas si méfiante. Hélas, je suis obligée. Beaucoup de gens l'admirent. Ils sont fascinés par ce grand génie qu'est Helen Keller. C'est sa détermination et son caractère qui font son triomphe. Mais c'est vous qui êtes le génie de l'histoire. Grâce à vous, elle a les deux sens qu'elle avait perdus. Elle parle de flamboyant coucher de soleil, dit qu'elle entend le souffle du vent dans les feuilles. Comment, Annie? J'ignore comment. Tout ce que je sais, c'est que je lui ai offert tout l'amour du monde. Et ensuite, le reste s'est produit. C'est un miracle qui s'est produit et c'est vous qui l'avez fait. Hélène est le génie. Non, pas Hélène. Il s'agit de vous, Annie Sullivan. Vous êtes téméraire, obstinée, brillante. Et une femme totalement irrésistible. Voilà ce que vous êtes. Hélène n'a rien à voir avec ça. Cette enfant n'avait pas encore 7 ans. Elle était sourde, aveugle et ne parlait pas. Une jeune femme est arrivée d'à peine 20 ans. Elle avait passé les 15 dernières années de sa vie dans une institution, un asile de pauvres, parce qu'elle était orpheline. Et les autres, dans un institut pour aveugles. Annie Sullivan, elle aussi, était aveugle, jusqu'au jour où une opération lui a rendu partiellement la vue. J'ai déjà lu les articles, monsieur Messi. Mais il y a plus important. Que s'est-il produit depuis leur premier contact, leur premier mot? Et qui a révélé cette jeune femme qui est entrée et qui excelle à Radcliffe, le collège le plus rigoureux de tout le pays. Comment expliquer ce phénomène? Quel miracle a pu faire cette jeune femme, Annie Sullivan, et qui a créé la prodigieuse Helen Keller? Voilà qui fera une histoire extraordinaire. Sûrement votre meilleur livre. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont vous semblez impliqué. Vous avez raison. Day. Il veut en faire un livre. Voici le contrat. Tous vos merveilleux articles qui parlent de votre vie, de vos relations avec Annie, ils veulent les publier sous la forme d'un livre. Histoire de ma vie, par Helen Keller. Oh, je ne pourrai jamais. Hélène, nous pouvons le faire tous les deux. Réfléchissez. C'est votre chance de pouvoir parler d'institutrice au monde entier. Quoi? Mais c'est hors de question. Mais Annie,
Vous devez le faire pour toutes les institutrices, pour les enfants qui sont sourds et aveugles. Ils vivent dans une vraie prison. Vous êtes sourd, vous aussi, ou est-ce seulement de l'impétuosité? Hors de question, vous ai-je dit. Annie! Je considère que le sujet est clos. John! Institutrice n'est pas contente. En vérité, elle est furieuse et refuse d'aborder ce sujet. Elle a quitté la pièce. Son père avait l'intention de l'exhiber pour un peu d'argent. Vous le saviez, ça? Comme un monstre. Moi, vivante, jamais. Annie, tout ce que je proposais... Et à Boston, à l'institution Perkins, ils ont accusé Hélène de plagiat parce qu'aucune enfant aveugle ne pourrait écrire aussi bien, ont-ils dit. Et c'était à cause de moi qu'elle avait copié. Cela fait combien d'années de cela? À l'école de Cambridge aussi. Ils ont essayé de m'évincer et de faire passer Hélène pour une de leurs grandes réussites. Vous ne devriez pas garder tant de rancœur. Je dois la protéger. C'est une adulte maintenant, elle est indépendante et c'est grâce à votre travail. Qui protégez-vous réellement? Sachez que je refuse toutes sortes de publicités. Pour la publicité, je suis assez de votre avis. Croyez-moi, je ne fais cela que dans votre intérêt et celui d'Hélène. Cessez de me considérer comme un ennemi. J'ai compris depuis bien longtemps que vous êtes plus forte que moi. Johnny, vous êtes si bon avec nous deux. Laissez-moi continuer. Laissez-moi prendre soin de vous, Annie. Comme vous avec Hélène. Aucun homme n'a jamais... Installer la chambre d'Hélène. Et la mienne serait ici, juste en face. Et là, au fond, qu'en pensez-vous? Ce serait un bureau d'études pour Hélène. Regardez. On pourrait faire un belvédère là-bas, au milieu des arbres. Suffisamment d'argent pour louer cela. Nous trouvez-vous téméraire d'y songer? Venez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Que sentez-vous? Des lilas. Oh, c'est le paradis. Ici, pour vous, je construirai un belvédère. Vous viendrez vous y reposer et toucher les parfums du bout des doigts. Oh, Johnny, c'est grandiose. Et près du lilas, il y a des rosiers magnifiques qui grimpent sur les clôtures, des fleurs blanches ainsi que d'autres d'un rouge très sombre. Il y a également des cerisiers et des genévriers dont la silhouette fière se découpe dans le bleu du ciel. Cela devrait fonctionner. Je serai l'homme à tout faire et vous le poète. Ah, c'est vous qui êtes le vrai poète, Johnny. Oncle Ed. Oui, ma chérie. A-t-on les moyens de prendre cette maison? Et si elle vend son portefeuille d'actions, oui, cela devrait être possible. Institutrice?
C'est d'accord. Oncle Ed a dit oui. C'est merveilleux. Vous n'avez qu'à suivre la corde pour aller jusqu'au belvédère. John, arrêtez! Johnny! Chante avec les oiseaux, car je sais que tu reviendras bientôt. Champagne! C'est notre livre, Annie, les épreuves. Hélène, posez ça tout de suite. Notre enfant vient de voir le jour. Sur la page de garde, il est écrit « Histoire de ma vie » par Hélène Keller. Avec en supplément... une analyse sur son éducation par John Albert Messi, incluant des lettres de son institutrice, Anne Mansfield Sullivan. Oh. Faites la révérence, Annie. Oh, ne soyez pas ridicule. Institutrice pense qu'il serait ridicule de faire la révérence. Faites-le juste une fois. D'accord. Oh, regardez ça. Oh. Ce livre est comme un véritable enfant. Grâce à vous, personne d'autre que vous n'aurait pu réussir. John est indispensable. Brillant. Unique. Et très beau. Quelqu'un pourrait-il le lire un peu? S'il vous plaît. Avec plaisir. Mais allons sous le porche. Je pense que chaque enfant a bien enfoui au fond de lui de sublimes capacités qui peuvent être réveillées et développées si l'on s'y prend de la bonne manière. Qu'il gambade dans les champs, joue avec des animaux et observe des choses réelles. Les enfants assureront leur propre éducation s'ils sont mis dans de bonnes conditions. Ils ont besoin de conseils et d'affection beaucoup plus que d'instruction. Anne Sullivan. Institutrice est une femme très sage. Et mes doigts ne sont pas en train d'éplier un autre mot. Vous mentez. Il se fait tard. Il faut que John rentre chez lui. Vous devez aller vous reposer. Je vous ai fait veiller un peu tard. Merci, Johnny, pour ce très beau livre. Laissez-moi rester cette nuit. Oh non, si Hélène venait à le découvrir. Impossible. Je serais partie avant l'aube demain. Je ne lui ai jamais rien caché. Et vous n'avez jamais passé la nuit avec moi. Nous avons droit à ce plaisir. Annie.
pas de penser à vous. Et ensuite, toutes les minutes que je passe avec vous, je les lui vole. Notre temps, il ne lui appartient pas. Et vous devez comprendre que quand je suis éloignée d'elle, j'ai une impression de... joie profonde. Une impression de vide. Une impression de joie. Je perds une partie de moi-même, Johnny. Regardez, nous sommes faits l'un pour l'autre. La perfection du cercle de nos bras, de nos corps, de nos esprits. Vous avez bouleversé ma vie. J'avais les idées très claires et il n'y avait pas de problème avant que je vous aime. Allez-vous-en, Johnny. Épousez-moi, Annie. C'est impossible. Je suis mariée à Hélène. Institutrice. Institutrice. Où est John? Je ne sais pas. Vous me mentez. La nuit dernière, je suis descendue prendre mon livre et j'ai touché son manteau. Et ce matin, lorsque j'ai été dans votre chambre, j'ai su... Il m'aime, Hélène. Je croyais que c'est moi qui l'aimais. Il t'aime aussi, d'une façon différente. Mais cet amour est fort, il dort dans votre lit. Mais tu n'as que 20 ans. Je ne suis plus l'enfant et vous me traitez comme tel. Parce que je ne vois pas et que je n'entends pas, vous ne jugez pas utile de me consulter. Vous m'avez trahi, tous les deux. Annie? Nous sommes ici. Qui est là? John. Elle sait. Vous avez de la peine? Oui. Parce que j'aime institutrice? Parce que vous m'avez menti. Vous n'avez pas jugé bon de m'en parler. Je vous aime. Vous n'aviez pas le droit de me mentir.
Hélène a raison. L'honnêteté est obligatoire. Je veux épouser institutrice. Personne dans cette maison ne va se marier. Je vous aime toutes les deux. Mais je veux épouser institutrice. Ça suffit! Taisez-vous! La confiance qu'elle avait en nous a disparu. Vous croyez que c'est l'honnêteté qui va arranger les choses? Je crois, oui. Eh bien, vous n'avez rien compris. Il me faut du temps maintenant. Tout ce que nous avons fait de mal. Des jours et des jours de travail pour réparer le mal que nous avons fait. Prenez le temps qu'il vous faudra. Je ne reviendrai pas avant que vous ne le vouliez. Que vous ne le vouliez toutes les deux. John est parti. Je l'ai renvoyé. Vous m'avez menti. Je voulais qu'il y ait de la place pour deux. Je voulais deux places dans mon cœur. Je t'aime, Hélène. Et cela me suffit. Arma, Varumque, Kano. Institutrice, qu'avez-vous? C'est ce latin. J'ignore à quoi cela peut servir aujourd'hui. À avoir mon diplôme. Continuez à lire, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Cela va passer. L'amorosité fait toujours cet effet. Bouge surtout pas. Il y a un oiseau posé si près de toi qu'il pourrait te frôler de ses ailes. Ah, son chant est vraiment très doux. Il doit être en train d'appeler sa bien-aimée. Elle lui répond. Et son chant est rempli de passion et d'ardeur. Et il est parti. Il est parti chercher l'élu de son cœur. Écrivez à John et dites-lui de revenir. J'ai été égoïste. Ah. Oh.
Alors voici nos conditions. Hélène sera toujours la seule priorité. Accepté. Réfléchissez, vous n'êtes pas obligé de répondre si vite. Bon, ce n'est pas difficile, j'aime beaucoup Hélène. Ensuite? Nous vivrons toujours tous les trois ensemble. J'ai de la chance. Deux superbes femmes. Et c'est très sérieux, Johnny. Je le suis aussi. Et si quelque chose devait m'arriver, vous prendrez soin d'Hélène. Annie, vous êtes une force de la nature. Rien ne vous arrivera jamais. Promettez-le-moi. Je le promets. Ça y est, le contrat est signé. Je ne sais que dire, Johnny. Institutrice, vous l'aimez? Ah oui, je l'aime. Nous ajouterons une note au bas des invitations. Ce mariage peut être annulé à tout instant. Cela vous convient? Tu as peur? Où sont les anneaux? Bonjour. Reverrons. Allons dans le jardin. Philippe. Comment allez-vous? Sais-tu où est notre Annie? J'ai bien peur qu'elle se cache dans la cuisine. Reste avec ta sœur. Je vais la chercher. Reste là. Tout le monde vous attend. Dites-leur de rentrer chez eux. Le mariage est annulé. J'ai peur qu'il ne soit trop tard pour cela. C'est une grave erreur. On ne peut marier trois personnes. John vous aime. Ce n'est pas le plus important, en fait. Si vous abandonnez, c'est l'existence d'Hélène que vous allez briser pour toujours. Elle ne pourra jamais se le pardonner, car elle se sentira responsable. Elle est en retard. C'est pas grave. Et voici la mariée. Venez, allons nous installer. Je vous suis. Nous sommes réunis dans cette maison parce que notre chère Annie veut donner son cœur à John Messi, qui désire également lui donner le sien. Mais je veux vous parler d'une troisième personne présente à leur côté, notre Hélène. L'amour qui existe entre toi et Annie est l'un des plus forts et des plus profonds. Les vœux qu'elle échange avec John aujourd'hui ne changeront en rien ses sentiments. Au contraire, son cœur débordant d'affection lui permettra de te donner encore plus d'amour. Maintenant, commençons. Nous sommes réunis en cette demeure sous la protection du Seigneur. Nous serons de retour dans 10 jours. Je sais. Mère et moi allons nettoyer la maison. Elle sera belle à votre retour. Institutrice, êtes-vous heureuse? Le cœur d'institutrice était rempli de bonheur aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas? L'espoir de toutes les mères est que leurs filles vivent ce jour merveilleux. Mon cœur est brisé de penser que tu ne connaîtras jamais ce bonheur. Mais ma vie est riche et emplie de bonheur chaque jour. Mère,
Je suis heureuse. Je me souviens d'une enfant qui levait les yeux lorsqu'elle me voyait. Maintenant, j'ai votre contact. D'une enfant qui chantait avec des rires dans la voix. Tout cela t'a été enlevé par cette horrible maladie. L'institutrice est meilleure pour toi. Elle ne porte pas le poids de cette tristesse. Maman. Dimanche aujourd'hui, le jour du Seigneur. Vous êtes croyant maintenant? Ça, c'est nouveau. Le Seigneur a dit, venez à moi et multipliez. Ou quelque chose d'approchant. Eh bien, il attendra. Ça n'est pas le moment. Oh, je ne suis pas d'accord. L'instant est parfait. Et je vais vous le prouver. Venez. Hélas, cela m'est impossible, pas ce matin. Hélène doit m'attendre. Elle peut vous attendre. Si nous ne pouvons livrer le journal dans les temps, je crains que nous ne devions nous priver de manger, chérie. Une fois encore, vous me rappelez notre pauvreté. C'est notre combat de chaque jour, John. Vous ne l'ignorez pas. Oh, je n'ignore pas. Ce combat dure depuis plus de 5 ans, car malheureusement, mon maigre salaire est insuffisant pour 2 femmes et un terrain de 3 hectares. Eh bien, vous devriez vous lever et travailler à votre livre. Je suis sûre que vous en vendrez des milliers une fois terminé. Je ne pense pas que des milliers de gens se jettent sur ce genre de livre. Oh, sur le vôtre, oui. Parce que ce sera sûrement le meilleur. Et maintenant, au travail. La gonorrhée des nouveau-nés et la conjonctivite frappant les 2 yeux sont fréquemment suivies d'une ulcération de la cornée. De la cornée. Il en résulte une diminution graduelle du champ de vision. Et cela peut même provoquer une perte de vue. Permanente. Votre introduction est trop longue. Enlevez-en la moitié. Je veux que vous commenciez l'article par le sujet que vous développez en page 4. Qu'y a-t-il ? Je travaille sur votre texte. Je le remanie. Institutrice va vous expliquer. Merci. Tout le monde s'imagine une Hélène Keller douce et pure et très optimiste. Son public n'apprécie pas de l'entendre parler de maladies vénériennes ou du manque d'hygiène dans les hôpitaux. Sont-ils contre le fait qu'elle ait la faculté de penser? Tout à fait. Le contraire de votre enseignement. John a l'air en colère ce matin. Vous devriez aller lui parler. J'aurais aimé rester au lit avec vous ce matin. Mais vous aviez des obligations. Et pas celles d'une épouse, manifestement. Vous me reprochez l'aide que j'apporte à Hélène? Je vous reproche le temps que vous y passez. Vous êtes ma femme. Nous devons travailler. Nous avons besoin de plus d'argent. Il est inutile de me rappeler qu'Hélène gagne plus d'argent que moi. Il n'y a que vous qui faites la comparaison. Cela n'a aucune importance, chérie. Ce n'est pas un concours. Non. Non, vous avez raison. Quelle étrange famille nous faisons, tous les trois. Je n'aurais jamais imaginé cela. Nous travaillons pour le bien du genre humain.
20 heures chaque jour pour une misère, voilà notre destin. Unissons-nous, mes frères, pour une cause glorieuse, les esclaves au pouvoir. Main dans la main, chantons tous en chœur, tous ensemble, nous les pauvres travailleurs. Un pour tous et pour un, c'est la même galère, les esclaves au pouvoir. C'était une très longue vie. Je me demande s'il l'a bien utilisée. Moi aussi. Hélène aimerait savoir comment vous gagnez votre vie, Monsieur Fagan. Dites-lui que je travaille avec John. Nous détestons ce travail et nous sommes très mal payés pour ce privilège. Karl Marx connaît des solutions. C'est exact. C'est vous qui lui apprenez ce genre de choses? Karl Marx, Eugène Vedebs, uniquement de merveilleux auteurs. Nous savons tous que fondamentalement, le capitalisme n'est que corruption. Pensez à la misère des pauvres travailleurs. Je dois d'abord penser aux factures du mois prochain et à la façon de les payer. Ma femme songe à l'argent en permanence. Il ne se passe pas une journée sans qu'elle ne me rappelle que nous en manquons. John. Alors c'est d'accord. Il est grand temps de remédier à cette obsession. Monsieur Weber, la personne qui vous a dit que nous voudrions paraître dans des variétés a fait une grave erreur. Mais c'est votre mari, madame. Je n'ai pas l'intention d'exhiber Hélène au milieu des otaries savantes et des clowneries plus que vulgaires. Mon époux le sait très bien. Non, madame Macy, les variétés ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Il y a des chanteurs d'opéra, des violonistes et de grands pianistes. Vous la montrerez entre les chiens dressés et les chimpanzés, c'est cela? Je vous donne ma parole d'honneur que nous montrerons Miss Keller au public entouré du respect qui lui est dû. Au revoir, Monsieur Weber. Carl Sandburg se montre aux variétés. Merci, Monsieur Weber. Adieu. Carl Sandburg se montre aux variétés. Vous et Miss Keller, vous gagnerez en à peine un an de quoi vivre 5 années. Monsieur Weber est revenu pour nous préciser que nous pouvons gagner beaucoup d'argent. Combien? Assez pour assurer notre bien-être pendant plusieurs années. Qu'aurions-nous à faire? Nous exhiber comme des animaux dressés. Mais nous n'avons peut-être pas l'habileté nécessaire. C'est fascinant. C'est fascinant. Que serions-nous obligés de faire, Monsieur Weber? Vous devrez leur parler un peu de votre vie. Leur raconter votre premier contact et comment vous l'avez aidé. Ensuite, Miss Keller pourra faire part au public de ce que l'on ressent dans son état. Et vous pourrez répondre à 2 ou 3 questions. Cela ne semble pas très difficile. Il se fait des illusions. Personne ne paiera pour cela. Ça pourrait être une expérience intéressante. Songez à tout le bien que vous pourrez faire en montrant au monde que les personnes handicapées sont encore des êtres humains. Il ose faire appel à notre sens de l'altruisme. Les handicapés, les pauvres infirmes et le reste. Quand commençons-nous? Dès que j'aurai organisé la tournée. Bravo, mesdames. Nous essayons désespérément d'avoir un enfant. John le veut sûrement plus que moi. Moi, j'ai Hélène. Mais, docteur, avoir un enfant à mon âge, n'est-ce pas trop risqué? Annie, vous êtes en train de poser une question à laquelle seul Dieu peut répondre. Je ne demande plus rien à Dieu depuis de longues années.
J'en suis vraiment navré. Mon amour, je pense à vous. Comme à un ange. Tel cet oiseau qui admire le soleil au lever du jour. Et chante des hymnes aux portes du paradis, à vos louanges. L'univers n'a de plus grande richesse que votre amour. Et je refuse d'échanger ma place avec un roi. C'est le même amour que j'ai pour institutrice. Je pense que Shakespeare parle d'un amour un peu différent. Expliquez-moi. Un jour, si institutrice relâche sa surveillance, vous comprendrez peut-être. Quelquefois, j'ai l'impression que... Vous pouvez me parler. J'ai le sentiment qu'institutrice me fait sortir peu à peu des ténèbres. Comme un morceau de pierre devient un visage. Oui, institutrice est une artiste. Et vous êtes son œuvre. Elle veut que vous soyez parfaite. Cela se passe comme cela, entre un homme et une femme? Cela ne devrait pas. Apprenez-moi. Ce n'est pas mon rôle. Qu'il fera alors? Je vous en prie, Johnny. Nous sommes en terrain très dangereux. Que ressent-on lorsque l'on vous donne un baiser? Montrez-moi. Ne prenez pas cet air horrifié. C'était qu'un baiser, c'est tout. C'est tout? Et la prochaine fois, que ferez-vous? Et ensuite, où? Ou peut-être que cela dure depuis longtemps? John! Annie est là. Tu veux John? Non! Je voulais juste qu'il me donne un baiser. Voulez-vous, Hélène? Votre puritanisme est excessif pour une faute plus qu'insignifiante. Je vous écoute. La voulez-vous, oui ou non? Oui. Et non. Très bien. Prenez-la! Elle est toute à vous! 24 heures par jour! Annie! Que se passe-t-il? Annie! Vous ne pouvez quitter cette maison! Un de nous deux est en toi! Moi? Mais vous êtes complètement alors, ridicule! Hélène dehors. Mais moi, je vais être surtout sérieux! Ne me touchez vous pas. Ne voyez pas que je suis en train de mourir dans cette maison! Institutrice! De John. Et je voulais juste savoir ce qu'était un baiser. Mon corps veut ressentir ces choses. Je vous demande pardon. Nous devons oublier ça maintenant. Vous auriez pu avoir la décence de paraître embarrassé. L'embarras est le moindre de mes soucis. Dites plutôt épuisé, frustré ou furieux. Vous n'êtes qu'un égoïste. J'ai épousé des sorcières moises, c'est tout. Chaque fois que je m'approche de vous, elle barre le chemin. Moi, je suis responsable d'elle à tout moment de la journée. Et j'espérais un tout petit peu de compréhension de votre part en me voyant me démener entre vous deux. J'en ai eu. Oh non, vous vous sentiez négligé. J'ai mis ma vie entre les mains du seul être humain qui m'ait jamais considéré comme une femme. Pas comme une extension d'Hélène. Et je l'ai retrouvée dans ses bras. C'est parce qu'elle m'a offert un peu de tendresse. Vous, jamais!
disparaître. Personne ne va comprendre ce que je dis. Parle un peu plus fort. C'est impossible. J'ai la gorge trop serrée. Tu dois respirer profondément. Je fais les 100 pas. Pourquoi avons-nous accepté ça? Pourquoi avons-nous accepté? Pour gagner $500 par semaine, mesdames. Oh, une autre sens de l'altruisme, bien entendu. Bien entendu. Écoutez, la salle est pleine et les gens sont déchaînés. Vous aurez à peine 2 minutes pour leur plaire. Ou vous êtes mortes. Bonne chance, mesdames. Keller était âgée de 7 ans, elle était sourde, aveugle et muette. Aujourd'hui, elle est diplômée du célèbre collège de Radcliffe avec mention, a écrit son autobiographie, fait des conférences et travaillé sans relâche dans le but d'aider les aveugles. Comment cette enfant sauvage, sourde, aveugle et muette dès son jeune âge, a-t-elle pu devenir la jeune fille cultivée et révérée que je vais vous présenter maintenant? Les mains de mon institutrice ont touché la noirceur de mon esprit et m'ont éveillée à toutes les joies de la vie et à ses merveilles. Je ne suis plus muette maintenant. Les doigts de Miss Keller peuvent détecter les plus légers mouvements de mes lèvres et déchiffrer les mots s'ils sont très bien prononcés. Les doigts de Miss Keller peuvent détecter les plus légers mouvements. Ceci est un T, un U, un V,
un W, un X, un Y et un Z. Ceci est notre façon de communiquer. Madame Messi voudrait bien que vous posiez des questions. Désirez-vous retrouver la vue plus que toute autre chose au monde? Non. Non, je préfère marcher avec des amis dans le noir que de marcher toute seule dans le soleil. Quel âge avez-vous? À votre avis? Est-ce que vous savez quand nous applaudissons? Oui, j'entends avec mes pieds. Quelle infirmité est la plus grave? Être aveugle, sourde ou muette? Aucune des trois, c'est le rhumatisme. Êtes-vous vraiment heureuse? Oh oui, parce que j'ai mon institutrice, ma famille et mes amis. Il m'aime et ma foi en Dieu m'apporte beaucoup de bonheur. Personne n'a été plus étonné que nous devant l'ovation que nous avons reçue à la fin de notre numéro. Tu vois, John, maintenant je parle en termes de spectacle, Hélène et moi, nous avons un numéro. On dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Dans peu de temps, je pense qu'elles vont devenir vraiment célèbres. Monsieur Weber nous envoie dans des villes à travers tout le Nord-Est. À vrai dire, j'ignore combien, mais je sais que nous ne sommes pas prêtes de terminer. Et je suis inquiète pour Hélène. Elle reste seule la plupart du temps dans les chambres d'hôtel. Il y a beaucoup de détails dont je dois m'occuper, notamment de nos déplacements. Et j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur. J'aimerais tant que vous soyez près de nous. Quitter ce merveilleux travail, c'est hors de question. Elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de quelqu'un, d'une autre paire d'yeux. Une sorte de secrétaire de voyage? Exactement. J'ai une idée, ça te conviendrait parfaitement. Merci. Je suis venu m'occuper de vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Fagan. Ne soyez pas nerveux. Seule madame Messi mord un peu. Maintenant que je sais Peter près de vous, je peux me détendre et apprécier ma vie de célibataire. Travailler, c'est cela mon projet. Je sais que vous devez être d'accord. Quand Helene Keller était âgée de 7 ans, elle était sourde, aveugle et muette.
accomplissons chacun notre devoir séparé de centaines de kilomètres. Je pense que nous ne devons que nous féliciter pour notre dur labeur. Quand Hélène Keller était âgée de 7 ans, elle était sourde, aveugle et muette. Aujourd'hui, elle est diplômée du célèbre collège de Radcliffe avec mention, a écrit son autobiographie, fait des conférences et travaillé sans relâche dans le but d'aider les aveugles. Comment cette enfant sauvage, sourde, aveugle et muette dès son jeune âge a-t-elle pu devenir la jeune fille cultivée et révérée que je vais vous présenter maintenant? Les doigts de Miss Keller peuvent détecter les plus légers mouvements de mes lèvres et déchiffrer les mots s'ils sont très bien prononcés. Les doigts de Miss Keller peuvent détecter les plus légers mouvements. À votre avis, je préfère marcher avec des amis dans le noir que de marcher toute seule dans le soleil. Et dès le lendemain de votre retour chez nous, je vous laisserai à peine le temps de reprendre votre souffle. Et je vous enlèverai. Ne me posez pas de questions, c'est une surprise. La douleur de votre absence commence à me peser lourdement. Revenez vite, Annie chérie. Votre mari a besoin de vous. John! Merci. Mais... Vous ne voulez pas qu'institutrice parte demain? Oh non. Au contraire. Elle est fatiguée et John lui a beaucoup manqué. Vous n'êtes pas contente d'aller chez vous dans l'Alabama? J'aime ma mère. Mais quelque chose ne va pas, je le sens. Aller dans l'Alabama est une sorte d'exil pour moi. Je ne travaillerai plus. Je n'aurai plus les doigts d'institutrice pour me relier au monde. Je me sens accablée par ma cécité. Mes mains peuvent devenir votre lien avec le monde. Épousez-moi, Hélène. Ne refusez pas. Vous ne comprenez pas. Cela fait des mois que je suis avec vous chaque jour. Je veux remplacer vos yeux et vos oreilles. Vous m'aimez? Je resterai à jamais à vos côtés. Voulez-vous m'épouser ?
vous épouserai. J'ai réfléchi toute la nuit. Moi, j'ai repassé dans ma tête ce que j'allais dire à Annie. Nous devons attendre un peu avant de l'annoncer aux autres. Il est très probable que leur réaction sera négative au début. Mais nous nous aimons. Et Institutrice vous connaît. J'ai peur que le changement ne soit difficile pour elle. Mais seulement au début. Nous sommes certains de nos sentiments. N'est-ce pas suffisant ? Nous ne partons que 3 semaines. Maintenant, Miss Keller, vous devez signer ici. Peut-elle le faire? Oui. Très bien. Vous pouvez aller voir un prêtre avec cette autorisation de mariage. Félicitations. Merci. Merci. Il est en ligne. Pouvez-vous patienter? Opératrice, passez-moi le Boston Globe. J'ai une bonne histoire pour vous. Hélène Keller vient de sortir d'ici au bras d'un jeune homme. Ils ont demandé une autorisation de mariage. Qu'est-ce que tu as fait, Hélène? Le journal raconte des histoires affreuses. Quel genre d'histoire? Que tu es fiancée à Peter et que vous avez été retiré une autorisation de mariage. Hélène Keller va se marier, voilà ce qu'ils disent. Pourquoi si tutrice n'est pas là quand j'ai besoin d'elle? Oh, Peter! Je lui ai demandé de partir, bien entendu. Est-ce la vérité? Pourquoi tant de colère, mère? Est-ce la vérité? Non, mère, ça n'est pas vrai. Non, il ment. Tout ça est faux. Keller! Hélène! Hélène, chérie. Peter, comment m'avez-vous trouvé? Quand j'ai lu les articles, j'ai su que votre mère voudrait vous éloigner de moi. Mais je suis là maintenant. Prenez ce mot et lisez-le en grand secret. Mais je peux le lire tout de suite, il est en braille. Non, nous n'avons qu'un instant. Quelqu'un va bientôt sortir. Mildred nous a vus. Elle court vers la maison.
J'ai strictement interdit à Hélène de communiquer avec vous, Monsieur Fagan. Ne serait-il pas à elle d'en décider? Non. Mère, je vous en prie, Peter. Son infirmité n'en fait pas une enfant, Madame Keller. Son infirmité nous impose une attention de chaque instant. Pensez bien au genre de vie que vous auriez vécu avec elle. J'y ai pensé et je veux l'épouser malgré tout. Vous serez son infirmière. Je serai son compagnon. Il faudra la surveiller sans arrêt, 24 heures par jour, pour le restant de votre vie. Je connais très bien ses limites, mais je connais aussi ses qualités et elles sont rares. Et j'aime votre fille. Peut-être que c'est de l'amour que vous ressentez aujourd'hui, mais laissez-moi vous assurer que très bientôt, cet amour ne sera qu'un devoir qui se transformera en ressentiment. Je le sais. Je suis sa mère et de plus, j'ai ressenti tout cela moi-même. Je vous interdis de parler à ma place, madame. Alors, dites-moi, qui prendra soin d'Hélène quand vous l'aurez abandonnée? Croyez-moi, je vous parle du fond du cœur. Ce mariage serait une grave erreur pour vous deux. Adieu, monsieur Fagan. Pete. Hélène! Madame Keller vous a prié de quitter sa propriété. Et tout de suite. Ma chérie, si vous lisez ce mot, c'est que nous n'avons plus qu'une solution. Nous enfuir et commencer une nouvelle vie ailleurs. Je viendrai vous chercher après minuit, quand tout le monde sera endormi. Attendez-moi sous le porche. Je vous aime, Hélène, et rien ni personne ne pourra m'empêcher de vous aimer. Ces quelques jours passés avec vous resteront les meilleurs instants de ma vie. Pour moi aussi, Johnny. Les meilleurs. Tout ce que je désire, c'est vous aimer et que vous m'aimiez aussi. Madame John Macy? Oui. Un télégramme. Merci. C'est Hélène. C'était merveilleux, jusqu'à votre télégramme.
pauvre chérie. Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Vous étiez avec votre époux. Je n'ai pas rêvé ce qui s'est passé pendant nos vacances. Mais non, John, c'était merveilleux. Merveilleux? Pour moi, c'était la vie. Mais au moment où nous avons franchi le porche, tout s'est arrêté. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer si elle avait épousé ce garçon charmant? Si elle l'avait fait, elle aurait enfin eu une vie différente de la vôtre. C'est une adulte, maintenant. Nous devons faire attention à elle sans arrêt. Il n'y a que vous qui vous imaginez ça. Vous qui avez besoin d'elle. Qui seriez-vous sans elle? Seulement Madame John Macy? Ça n'a pas l'air de vous suffire, si vous voulez mon avis. Nous avions décidé, avant d'accepter de nous marier, que tous les deux nous prendrions soin d'elle. La situation était très claire. Êtes-vous bien soignée, Hélène? Prenons-nous assez soin de vous. Ne la mêlez pas à ça. Institutrice. Cela ne concerne que John et moi. Non, nous vivons ensemble. Dites-lui, Annie. Dites-lui que j'en ai assez de passer après elle. Institutrice, qu'est-ce que John a dit? Il est fatigué de devoir se battre. Oh, non, John. Nous devons avoir du courage. Si seulement c'était aussi simple. C'est votre faute, Annie. Vous n'arrêtez pas de vous inquiéter, de nous juger, moi et tous les autres. Oh non, John. Je vous aime infiniment. Vous n'aimez qu'Hélène. Ce qui reste, voilà ce que vous me donnez parfois. Elle a tellement besoin de... C'est moi qui ai besoin d'une femme. Vous avez été une bien piètre épouse, Annie. Personne creuse sur le parquet de bois. Tous les tapis ont été enlevés. Les rideaux également. Cette maison me manquera. Elle contient tant de souvenirs. Nous avons été très heureuses dans cette maison. Pendant de longues années. Nous avons notre travail à continuer. Oh oui, Hélène. Il y a beaucoup à faire. John Macy devint un grand critique et un auteur à succès. Hélène Keller et Annie Sullivan consacrèrent leur vie aux sourds et aux aveugles. Voyageant à travers le monde entier, afin de rencontrer les responsables des nations et embrasser les enfants handicapés. Hélène milita pour le droit de vote des femmes et lutta contre le racisme et la ségrégation. Avec Annie, elles ont réuni des millions de dollars pour la Fondation américaine des aveugles. Elles vécurent ensemble pendant 50 années, toujours guidées par le credo d'Hélène. La vie n'est rien
si elle n'est pas une passionnante aventure.